Je suis France Desmarais, directrice générale de Communication Jeunesse. C'est avec enthousiasme que je vous présente aujourd'hui le fonctionnement des Clubs de lecture des Amériques, un projet pilote né d'un heureux partenariat entre le Centre de la francophonie des Amériques et Communication Jeunesse, qui unissent leur expertise pour faire la promotion de la littérature francophone d'ici pour les jeunes. Communication Jeunesse est une association à but non lucratif qui œuvre à promouvoir la littérature québécoise et franco-canadienne pour la jeunesse et à soutenir les professionnels qui, tout comme vous, travaillent auprès des jeunes à transmettre le plaisir de lire en français. Notre partenaire dans ce projet, le Centre de la francophonie des Amériques, contribue quant à lui à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. La création des Clubs de lecture des Amériques est intimement liée à la Bibliothèque numérique des Amériques, lancée par le Centre en avril 2014. Les Clubs de lecture des Amériques s'adressent aux jeunes de 8 à 12 ans. Ils favorisent une approche ludique de la lecture qui vise à développer chez les jeunes le plaisir de lire en français et à découvrir la richesse de la littérature francophone par le biais de la Bibliothèque numérique des Amériques. Le programme d'activités que nous avons développé pour vous propose une série d'activités d'animation et du matériel disponible dans le microsite que le Centre de la francophonie a créé spécialement pour les clubs. Cet espace se veut un véritable lieu d'animation et de partage qui vous permettra aussi d'échanger sur les trouvailles littéraires ainsi que sur les activités. La programmation est composée de 2 activités par mois, de février à mai 2015. Il vous est aussi possible de les adapter selon l'intérêt des jeunes, leur capacité de lire en français ou encore le temps que vous disposez en classe. Vous avez toute la liberté nécessaire. De plus, chaque mois, des prix seront offerts à tous les clubs qui réaliseront l'une ou l'autre des activités. Il suffit de fournir une preuve de participation. Vous trouverez dans votre programmation l'ensemble des informations nécessaires quant aux dates et aux modalités. Toutes les activités sont liées à des choix de livres disponibles dans la Bibliothèque numérique des Amériques. Première étape, devenir membre de la Bibliothèque numérique. Cette étape rapide et gratuite vous donnera accès à tous les livres du catalogue. Pour avoir accès aux titres suggérés dans les activités, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens Internet disponibles dans la programmation ou vous rendre à la page d'accueil de la Bibliothèque numérique des Amériques et consulter la catégorie « Jeunesse, albums et romans » dans le catalogue. Au nom du Centre de la francophonie des Amériques et de Communication Jeunesse, je vous souhaite une formidable saison littéraire jeunesse. Bienvenue au Club de lecture des Amériques.